Bueno, pues. Ven. ¿Qué pasa? Si la luna rosa, notre bateau chéri à tous. C'est le luna rosa, notre bateau maudit à tous. Nous y sommes unis, c'est le luna rosa, notre bateau. C'est que Chris a tout pété pour faire des vidéos. Il a pété le speed, il a pété la drisse, il a pété les voiles, il a pété tout pour avoir la vie. Faut dire qu'on s'est bien traîné la nuit. Ça fait 3 semaines qu'on est là. On n'a pas bougé tes mains. Toi, Dieu me fait une cette gaffe. Je suis chopé enfin le mal de terre. Je sais pas si c'est la fenêtre ouverte avec le bruit du vent qui a rappelé à mon esprit 2-3 souvenirs, mais je me suis réveillé, j'étais cramponné au lit. Et j'avais l'impression qu'il y a tout qui penchait. J'étais obligé de me tenir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à coup, c'est pas le bateau. On est bien. Tu vois là, c'est un fragment de bombe basaltique. Quand le volcan il crache, il est en éruption, t'auras des morceaux de basalte qui vont tourner sur eux-mêmes. Mm-hmm. Les Canaries, Tenerife. Moment de respiration. On se désamarine, on arpente les côtes volcaniques de l'île, nous frotter à la terre à nouveau, à ses parfums, ses plaisirs. On prend pied à terre car c'est une étape obligée. La plupart des transats font escale ici, si ce n'est à Madère ou au Cap-Vert. C'est un vrai pèlerinage. Mais on doit aussi mener à bien nombre de réparations, s'occuper du spi en lambeaux, des bourres à fistoler, et laisser le temps à Fabienne et à sa cheville pour se requinquer. Et donc, forcément, le séjour se prolonge un peu. Et comment vous saviez que je voulais un jambon alors? Enfin. Ça fait bon voyage. Timing parfait. Ça s'est un peu tout trop bien passé. J'ai un très très bon karma. Marion, l'amie de Fabienne, nous rejoint enfin. Elle prendra le relais de Mathieu et poursuivra le reste de l'aventure jusqu'aux Caraïbes avec nous. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi en fait. Ça s'est fait de fil en aiguille, ou quand j'ai su que Fabienne elle partait, je lui ai dit comme ça pour rigoler, « Oh bah si t'as une petite place pour moi, je viens vraiment volontiers quoi. » Et en fait, elle m'a dit « Non, il n'y a pas de place, l'équipage était déjà au complet. » Et en fait, ouais, c'est au mois de septembre, elle m'a dit « Bah écoute Marion, il y a une place qui est libre. » Je dis « Bah ouais, allez, j'y vais. » Je suis physiothérapeute et mon autre facette, je suis apnéiste, compétitrice et même moniteur, donc voilà. Cool, merci. Mais genre ça coince plus que avant que je me mette à marcher franchement dessus, non? Oui, ça coince déjà. Marion, disons que c'est quelqu'un qui aime bien justement un peu te prendre sous son aile. Ah. C'est quelqu'un qui va amener beaucoup de calme. Elle a un côté très rassurant. Elle fait de l'apnée et elle m'a en fait fait découvrir ce monde-là. C'est assez agréable de faire ce genre d'activité avec elle. Dans cette mer aux reflets d'or et au sable noir, ce sont nos derniers moments avec Mathieu qui s'en retourne bientôt aux États-Unis. Le calme, l'expertise nautique et la sagesse de mon cher compagnon de car vont me manquer.
ainsi que ses sorties et ses phrases mémorables. Nous poursuivons ensuite notre exploration de l'île au climat chaud et sec. Enfin, presque. Alors on profite du grand soleil des Canaries. Heureusement qu'on a eu la crème solaire. ¿Qué son estos pescados? Ese pescado blanco, atún, caballa, chicharro, todo bueno. Papa, partita, luego están los plátanos, limón, mandarina, calabacín, habichuela, aguacate, castaña, este es el ñame, tamarillo, manga. Être des violacés pour nous désaltérer. Soyeuse malgré vos épines. Chuteuse pour mestre, c'est les airs indignes. Nous sommes une bande de barbares. Qu'avons abordé ces contrées. De la mer où tout se fait rare. Espérons mieux que notre récit. D'un volcan tu surgis. Azad, cactus et agave, tu nous sembles bien fier. Téhiré, montagne endormie. On s'est échoué sur les plages de Tagamana. On s'est effondré sur les graves de Tatadogo. Solo, Quentin. C'est génial ces arbres barbus. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que Fabienne, maintenant, eh ben, elle peut remarcher. Voilà. Oui, tes charmes secrets n'étaient qu'une illusion. Parfum au large des côtes magiques. Torpeur du sable des flancs de l'Afrique. Elle en a trouvé sur le barbarie. C'est emparé de tes vents, de tes fruits. On s'est surtout bien ressourcé dans ces îles qui sont merveilleuses, les Canaries, par leur nature exceptionnelle, forgée par la lave. Et donc je pense que maintenant on est prêt à nouveau à faire un pas en avant vers l'inconnu. Ça suffit, tous à l'eau. L'inconnu, c'est cette première transatlantique pour l'ensemble de l'équipage. C'est rester autant de temps loin de toute terre. L'inconnu, c'est les petites surprises qu'on pourra avoir sur notre chemin, les problèmes qu'on devra résoudre, les ressources qu'il faudra aller viser pour faire en sorte que ça soit un agréable moment. On se prépare le spi, on va voir un peu ce qu'il en est au niveau des réparations. Ça, c'est pas mal, ça. C'est la chute qui a été recousue. Ça a l'air costaud. Vous pensez que ça va tenir combien de jours, ça? Ouais. On va lui remettre sa chaussette. C'est pas une taille 42, la chaussette. Là, c'est plutôt 16 mètres, voilà. Donc, 16 mètres. Voilà, c'est la grosse chaussette. Faut quand même le dire, on a un spi, c'est quand même trop trop bien. Au fond de nous, on pleure de joie, surtout moi. J'ai l'impression que rien de tout cela n'est arrivé. Il s'est jamais pardonné. Je répare la drisse de Genaker. Comme on a déjà changé une drisse, on va essayer de ne pas toutes les changer. On va checker un peu que tout va bien sur tout ce qui est au niveau du mât, que tout est en bon état, qu'il n'y aurait pas de mauvaise surprise pour la suite du voyage. Donc ce sera aussi une inspection. Allez Charlie, je t'aide donc. Allez Charlie. T'as fait un tournevis, Quentin? Mais c'est juste que t'auras... C'est la silhouette. Ouais, j'ai pris du scotch. Tu vois, Chris, dans la vie d'un moussage, faut savoir tout faire. Alors, il y a des trucs assez cool. Alors, t'as l'avant du bateau avec un coucher de soleil et vent dauphin. Puis, il y a écoper les chiottes avec sa main. Avoir des belles odeurs. Voilà. Avec des gants d'air perméables. Exactement. Tellement perméable que c'est en train de remonter dans mes doigts. Putain. Tu vois ce que je veux dire par ces faux? Comment est-ce que tu anticipes la deuxième manche qui va être plus longue?
et plus engagé. Eh bien, je l'enchaîne plus sereinement parce qu'on va normalement être conditions portant plus chaudes, plus calmes. Mais d'un autre côté, c'est vrai que sur 2 semaines de voyage, quand t'as fait 1 semaine, que t'ailles dans un sens ou dans l'autre, bah t'es à 1 semaine de chaque coin et ça, c'est un peu flippant. Donc les toilettes sont bouclées. Ah ouais, j'ai tout remis, j'ai tout resserré, la cuvette, le joint anti-retour. Waouh, c'était une intervention réalisée en apnée. J'y retourne. Olé. J'ai enfin réussi à l'accorder, pas trop mal. Elle a vraiment souffert du premier voyage salé et mouillé. Il est temps de se tailler un short pour la traversée. C'est fini les leggings longs. Maintenant on arrive dans la zone où il fait chaud. Hop, voilà. Et la ça, nouvelle tenue. On va en faire des petits torchons pour le nettoyage. Je croyais la voir. Vas-y, les plus belles. En tout cas, celles qui n'ont pas de pète pour que ça tienne un peu le voyage. Des murs, et puis des un peu moins mûres. Là, elle est pas mal. C'est quoi, c'est un demi-régime de banane? Et un demi-régime de banane qui fait aussi parapluie. Ouh. Alors, 1,5 kg de parmesan râpé, de la ricotta, la margarine 500 grammes, s'il te plaît. On sent que le sujet du fromage est un sujet très important. On rigole pas avec ça. Très délicat. Alors, on a enfin trouvé notre 7e équipier. Ça va être le cuisinier, enfin, il va nous nourrir. On voit qu'il a le teint un peu vert et pour l'instant il a le mal de mer, mais on espère qu'il aille un peu mieux après. Et voilà, fruits, légumes, bananes, courgettes, pastèques. Ah, Marion. Quoi? Alors Marion, on se connaît pas encore pendant une traversée. Très gentil, agréable, sourire. Est-ce qu'il y a autre chose que des bières? À mon avis, elle s'y connaît un peu moins en bateau. Elle est ouverte à tout, tu peux discuter, elle t'écoute. On verra bien après 15 jours. Alors, là, je vois qu'il y a pas mal déjà de ce qui est lié à la sauce. Est-ce que ça vous dit qu'on respecte tout ce côté, on met que des sauces? On en a bien profité à terre, c'était chouette. Et là, ça y est, c'est le grand départ. Pas tant d'appréhension. La petite appréhension que j'ai, c'est cette vie à 6 dans un milieu un petit peu restreint. On joue pas avec la nourriture. Oh. Où chacun doit faire sa part des choses pour que l'environnement reste agréable, convivial, rangé, tout ça. Et là, c'est vrai que le fait d'être tous ensemble ces derniers temps avec le bateau au port, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes logistiques de rangement, de nettoyage. Voilà, capitaine. Oui. Est-ce un bateau en bon ordre? C'est un bateau qui est en train de s'organiser, de s'ordonner. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous là? C'est des réserves de... Ça c'est la cave, voilà. Si jamais on passe trop de temps en mer, on saura quoi faire. Voilà, il faut pas oublier qu'on a aussi du bon petit jus de fruits, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, fruits de la passion, clémentine, jus de pomme. Liqueur de malte, c'est bien. Alors, nous avons emballé chaque avocat. Les plus mûrs en haut, les moins mûrs en bas. Chacun séparément. Nous avons les carottes, poireaux en dessous, pour dans quelques jours, vu que ça se conserve bien. Et je me rappelle plus ce qu'il y a derrière, et c'est le problème du journal. C'est que on va... Donc j'ai acheté un petit marqueur pour mettre T comme tomate, B comme poireau, ou C comme... Est-ce un concombre ou une courgette? Mais c'est qui le plus gourmand ici? Je vois pas pourquoi tu te tournes vers moi. J'ai rien à voir avec tout ça. Il y a des gens qui lisent des choses et après il y a des choses qui se passent sur le bateau. Voilà. On passe notre stock de nourriture, je ne saurais dire. Mais je sais que chacun va faire un petit effort pour qu'on soit confortable, malgré l'humidité qui va s'installer avec les jours, malgré les affaires sales dans tous les sens. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des chaussettes sales qui vont voler par-dessus bord à un moment donné. C'est possible. Ça ne sera pas volontaire, hein, mais... Le routage le plus rapide, il nous dit 13 jours. On fait calcul le routage et là, il calcule. Je pense pas qu'on sera dans ces temps-là. Il faudra peut-être aller voir un peu plus loin. On va certainement perdre un petit peu de temps en route, donc voilà. Je pense qu'on aura vécu des moments plus durs, notamment au large du Portugal, quand pendant 2 jours, on a eu ces conditions qui étaient vraiment délicates au près, en remontant le vent avec des bonnes vagues. Là, ce sera plus agréable, mais ça sera plus long.
C'est alors cette pétole, c'est ça? Bah non, on va passer au-dessus en fait. Non, on va avoir du bon alizé là. Je pense que là, on va juste bien reprendre des forces, faire une bonne nuit de sommeil, et puis demain, on met les voiles, quoi. On peut, comme maintenant, être dans notre zone de confort, et on y est très bien, et je pense qu'on pourrait y rester beaucoup plus longtemps si on voulait, mais à un moment donné, il faut, ben voilà, on est là pour ça, c'est de nous sortir de cette zone de confort, et puis aller rechercher un petit peu d'autres sensations, voilà. T'appréhendes un peu? Moi, que je pense. Mais ouais, forcément, deux semaines en mer, ça va être. Esta noche no alumbra la farola del mar. Donc, nous y voici, prêts pour le départ. De toute façon, vous avez tous, sauf Marion, fait la première étape de la traversée. Donc, vous connaissez un peu les règles de sécurité alimentaire à bord. On va rappeler. La première et la plus importante, c'est quand on est en quart de nuit sur le pont, toujours avoir sa brassière. Si quelqu'un tombe à la mer, la personne qui était le plus proche, en tout cas, ou qui s'en a aperçu, doit essayer de garder la personne en visuel tout le long de la manœuvre. On allume le moteur, on roule les voiles, on fait le tour, on va rechercher la personne. J'ai trouvé le truc qui me fait le plus plaisir de partir, c'est de pouvoir enlever cette merde pendant 12 jours, ou 13, ou 14, 15, et voir enfin les gens qui sourissent. Pas avec les yeux, mec. Mais je me réjouis de pouvoir passer du temps avec vous et de mettre en péril cette embarcation qui n'est qu'une coquille noire au milieu de l'océan. Bon, les copains, on y va? Pareil, la vie, c'est tout le bord, j'enclenche la marche avant. On met les voiles. Et ben oui, c'est toujours un moment d'émotion, surtout quand on part pour si longtemps. Donc, allez, on hisse la grand voile. Moi, je vous invite juste peut-être à faire un vœu, voilà. Voilà, et puis ensuite, vous le confiez à Poséidon une fois que vous êtes au milieu de l'Atlantique. Et peut-être qu'il se réalisera, peut-être pas. Livre de bord, 25 novembre, 16h. Départ de la marina de Saint-Sébastien de la Gomera. Enfin, à nous la grande traversée. Mer belle. La poudre avigorée. De nous tous ton rock. C'était la Luna Rossa, bateau de l'île Sabor, capitaine ad hoc. On s'est allé dans la haute mer, jeté dans la gueule du loup, du lait. Capitaine ad hoc, nous mèneras-tu à bon port? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur.